Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Je la sens ici, elle est très forte. Je sens la présence du Seigneur, elle est forte. Est-ce que vous sentez l'atmosphère? Est-ce que vous sentez l'atmosphère? Oh, hallelujah. Avant de faire ce direct, comme un enfant, je vais me prosterner devant le trône de gloire. Je vais me prosterner devant le trône du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Celui qui veille sur nous, qui nous connaît, qui nous défend dans toutes les situations difficiles. Nous n'avons pas décidé de naître et nous a choisi pour nous positionner dans le ventre de notre mère. Elohim, El Shaddai, Adonai, le Dieu de nos pères, de nos ancêtres, Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé mon premier ancêtre. Nous allons lui dire merci d'abord pour le souffle de vie, car certaines personnes sont à l'hôpital, d'autres sont à la mort, d'autres sont dans les funérailles, mais il nous accorde la vie. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux bénir ta présence. Je bénis ta présence pour l'amour que tu donnes. Merci Seigneur pour ton peuple et merci de m'avoir choisi. Je sais que le temps du réveil est arrivé. Ta nuée est en train de descendre. Les morts vont sortir de la morgue. Les lépreux vont te purifier. Les paralytiques vont marcher. Des situations vont se régler. Seigneur, tu vas démontrer encore ta puissance dans ces derniers temps. Je le sens et je le vois. Il y a une atmosphère de force, de puissance qui arrive. Il est écrit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le temps de grâce et de gloire est arrivé. À toi l'honneur. Que les anges te louent. Que les anges te salmodient pour ce moment que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux, dans le divin et le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis sur ma page? Nous allons reprendre le direct. J'ai prié, mais nous allons reprendre le direct parce que par erreur, je ne sais pas, je vais vérifier d'abord. Si je suis bien sur la page de Bishop Melchizedek, excusez-moi, parce que souvent ça m'arrive d'aller, j'ai deux pages, ça m'arrive d'aller sur une page, voilà, je vais vérifier si je suis sur la bonne page. Ok, je suis sur la bonne page, on va continuer. Donc, partagez le direct, mettez des cœurs, partagez, je suis sur la bonne page. Je suis venu déclarer et proclamer ce soir dans la vie d'une personne. Depuis ce matin, le Seigneur me met un passage dans mon esprit. Le Seigneur me relate une histoire dans mon esprit. Souvent tes ennemis pensent que leur pensée peut s'accomplir contre toi. Mettez le cœur, partagez le direct. Souvent, les gens qui te veulent du mal pensent que leur désir est la volonté de Dieu. Quand tu souffres, ils se moquent de toi. Ils disent, il est en train de souffrir. Dieu n'est pas avec lui.
Elle est en train de souffrir. Dieu n'est pas avec elle. Dieu l'a punie. Dieu l'a frappée. Et quand tu te relèves, tu te dis, oh, ça c'est pour un temps. Ça ne va pas durer. Il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer ta vie, critiquer ta gloire, critiquer ton élévation. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont nés pour souhaiter ton malheur. On a l'impression que la mission que Dieu les a donnée sur la terre, c'est de s'occuper de ta vie. Oh, mettez le cœur, partagez le direct, je ne fais que commencer. Un jour, Dieu dit à Abraham, tes enfants vont être esclaves dans un pays d'étrangers. Tes enfants vont être esclaves en Égypte. C'est Dieu lui-même qui a programmé que le peuple d'Israël soit en esclavage. Il y a des situations, des problèmes qui t'arrivent de fois. Ce n'est pas forcément le diable, ce n'est pas seulement forcément les sorciers, ce n'est pas forcément des mystiques. Attends, on va bien se regarder. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui a programmé cela. Parce que il faut que cette situation arrive pour que ton nom sorte. Il faut que cette situation arrive pour qu'on entende parler de toi. Il faut que ce problème arrive pour que les gens commencent à te connaître. Mettez le cœur, je vais vous aider ce soir. Il y a des épreuves que tu traverses. Ce n'est pas forcément un malheur. C'est la préparation d'une élévation. C'est la préparation d'une gloire. C'est la préparation d'une promotion. Quand Anne était stérile et que la rivale de Anne se moquait de Anne, Peninnah. Peninnah avait déjà des enfants. Mais Peninnah ne savait pas que Dieu était en train de préparer un homme aussi puissant, aussi glorieux, dont le monde entier va entendre parler du nom de Samuel dans le ventre de Anne. Je vais vous presser, je vais vous presser. Quand Marie était enceinte de Jésus, il y a des jeunes filles qui se sont moquées de Marie. Il y a des jeunes filles qui ont dit, regarde-moi celle-là. Elle n'a pas encore connu le mariage, elle est enceinte. Elle passe son temps à vomir alors qu'elle n'est pas mariée. Il y a des gens qui parlaient mal de Marie. Il y a des gens qui parlaient mal de Joseph. Qui disaient, regarde celui-là. Sa femme même l'a trompé. On ne sait même pas avec qui elle a fait enfant. Il est là, il cherche à la marier quand même pour cacher sa honte. Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que c'était le Saint-Esprit qui était rentré dans le ventre de Marie pour que le sauveur de l'humanité, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, soit né. Dieu cache toujours ta bénédiction à tes ennemis. Et Dieu fait voir des choses qu'ils ont envie de voir. Dieu leur fait voir ce qu'ils veulent voir. Dieu les laisse dire ce qu'ils veulent dire. Parce que Dieu ne va jamais leur montrer ton élévation avant son temps. Dieu ne va jamais leur montrer ta bénédiction avant son temps. Dieu veut les surprendre. Dieu veut que ta grâce, ton élévation, ta prospérité et ta bénédiction surprennent tes ennemis. Dites-moi Amen très fort. Partagez le direct, mettez le cœur. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous.
parce que ce direct-là va changer votre histoire. Levez-vous du lit. Réveillez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Il y a des gens qui sont autour de vous qui pensent que leur projet est le projet de Dieu. Ils pensent que leur désir est le désir de Dieu. Ils pensent que leur volonté est la volonté de Dieu. Ils sont tout le temps en train de penser à la place de Dieu. Ils veulent vous faire du mal, ils pensent au mal. Ils veulent que vous mouriez, ils pensent à la mort. Ils veulent que vous chutez, ils pensent à la chute. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne s'assoit pas avec des gens pour demander conseil avant de vous bénir. Dieu n'a pas besoin d'écouter des gens avant de vous élever. Dieu n'a pas besoin d'écouter des gens avant de vous rendre prospère. Mettez-moi le cœur, nous allons continuer. Dieu est venu dire à Abraham, tes enfants vont être esclaves en Égypte. Dieu a déclaré, il a prophétisé, il a dit à Abraham, il y a un malheur qui va t'arriver. Tes enfants vont être esclaves. Abraham pouvait dire à Dieu, Seigneur, épargne-moi de ça. Je refuse que mes enfants soient esclaves. Je refuse que... Mais Abraham a écouté Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Frère, quand tu es dans certaines épreuves, demande à Dieu, Seigneur, fais-moi traverser cette épreuve parce que je sais qu'au bout se trouve ma gloire. Fais-moi traverser cette épreuve parce que je sais que c'est au bout que se trouve ma gloire. On a l'habitude de prier pour dire, Seigneur, retire l'épreuve, retire l'épreuve. Si tu es de l'or que tu n'es pas passé par le feu, comment tu peux avoir la qualité? Comment tu peux devenir une or de qualité? Ou si on dit un or, une or, mais une or de qualité. J'ai fini de dire. Excusez-moi, j'aime plaisanter deux fois quand je parle. Le peuple d'Israël s'en va en captivité. Mais remarquez qu'avant qu'Israël n'aille en captivité, avant qu'Israël ne soit esclave, Dieu a dépêché Joseph en Égypte. Donc Joseph, à cause de lui, il y a une partie d'Israël qui a eu la terre. Il y a une partie d'Israël qui a eu l'or. Il y a une partie d'Israël qui a été bénie. Bon, après le pharaon a changé et la parole de Dieu s'est accomplie, l'esclavage a commencé. Pendant qu'Israël était esclave, les Égyptiens et d'autres personnes disaient, oh, voici un peuple qui dit que Dieu est avec lui. Mais regarde comment ils sont en train de souffrir. Regarde, chaque jour, ils sont en train de dire l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham. Mais regarde comment ils sont en train de souffrir. Combien de personnes se moquent de toi? Combien de personnes disent, elle dit qu'elle va à l'église, mais rien ne va dans sa vie. Il dit qu'il croit en Dieu, mais sa vie ne change pas. Il dit que son Dieu est fort, mais combien de personnes te disent ça chaque fois? Mettez-moi le cœur, je dis, je vais vous aider. Mais il y a un temps pour Dieu. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu va faire naître un Moïse. Dieu va faire naître un sauveur. Oh, je vais pousser très fort. Écoute-moi, écoute ce réma. À chaque fois que Dieu veut bénir un peuple, à chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, Dieu fait naître une situation. Dieu fait naître un sauveur. Dieu fait naître un prophète. Dieu fait naître une bouche autorisée. Je vais dire à quelqu'un,
Il y a des choses que quand Dieu veut faire, il ne les fait pas sans quelqu'un. Il y a des choses que quand Dieu veut faire, il va chercher d'abord un prophète pour qu'il parle. Lorsque le Seigneur voulait faire revivre les eaux, il allait chercher Ézéchiel pour que Ézéchiel prophétise. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il prend d'abord un ange pour aller parler. Lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il est venu s'adresser d'abord à Gédéon. Lorsque Dieu veut agir, il s'adresse à Daniel. Lorsque Dieu veut agir, il s'adresse à Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque Dieu veut agir, Dieu s'adresse à Élisée. Lorsque Dieu veut agir, Dieu s'adresse à Élie. Même quand il voulait bénir Abraham, il a fallu que Melchisédek parle d'abord, avant que les anges n'arrivent. Dieu va faire naître un Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, je vais sauver mon peuple. J'ai vu leur souffrance. J'ai vu leurs difficultés. J'ai entendu leurs pleurs. Je suis venu annoncer à une personne. C'est toi qui crois que le Seigneur n'entend pas tes pleurs. Le Seigneur les a entendus. C'est toi qui crois que le Seigneur n'entend pas tes prières. Le Seigneur les a entendus. C'est toi qui crois que le Seigneur ne voit pas tes larmes. Le Seigneur les voit. C'est toi qui crois que les jeûnes que tu fais ne servent à rien. Le Seigneur a pris compte de tes jeûnes. C'est toi qui crois que tes prières que tu fais chaque jour ne servent à rien. L'Éternel a écouté tes prières. Oh my God. Le peuple d'Israël était esclave en captivité pendant des années. Ils étaient en train de prier. Dieu entendait, mais le temps de Dieu n'était pas arrivé. Quelqu'un écrit le temps de Dieu et mettez plus de likes. Réveillez tout le monde avec les likes. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur décide de délivrer Israël. Oh, suivez-moi bien, je vais vous prêcher aujourd'hui. Mais pour délivrer Israël, il y avait un chemin très facile pour les faire passer pour aller dans la terre promise. Dieu pouvait les faire passer une semaine seulement par l'autre chemin. Il prenait une semaine. Le chemin que Joseph a pris pour venir. Quand Joseph venait, Joseph n'a pas traversé la mer Rouge. Donc, il y avait un chemin que Joseph avait pris pour rentrer en Israël. Dieu pouvait leur faire reprendre ce chemin, le chemin que Joseph a pris. Et ce chemin-là allait les ramener dans la terre promise sans histoire. Hein? Mais Dieu voulait encore prouver quelque chose. Le Seigneur les envoie devant la mer Rouge. Il les envoie devant la mer. Il les envoie, ils sont sortis d'une épreuve. Dieu va les mettre encore devant une épreuve. Parce que c'est devant l'épreuve que Dieu se glorifie. C'est devant l'épreuve que Dieu se glorifie. Si tu veux voir où Dieu se glorifie, c'est dans ton épreuve. Si tu veux voir où Dieu se glorifie, c'est devant ton épreuve. Si tu veux voir où Dieu se glorifie, c'est dans tes difficultés. Si tu veux voir où Dieu se glorifie, c'est là où c'est difficile. Ce n'est pas là où ça va bien. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je vais sentir votre présence. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge. Voilà où va commencer mon message de ce soir. Ils arrivent devant la mer Rouge. Je vais lire un passage. Exode chapitre 14. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. My sword braille. Les atteignirent, campés près
de la mer vers Pi à Hiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils disent à Moïse, n'y avait-tu pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. My Lord, brother, come my face to pray. Riamo sadogo shikarabra. Voici le peuple d'Israël en face de la mer Rouge. Dès qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils voient les chars des Égyptiens venir. Toute l'armée de Pharaon. Ils ont commencé à avoir peur. Ils disent à Moïse, pourquoi nous as-tu pas laissé rester esclaves? On allait mourir là-bas au monde, on allait nous enterrer. Tu nous envoies dans le désert. On va mourir dans le désert. Oh Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Moïse dit, ne craignez rien. Je dis à une personne, ne crains rien. Restez en place. Je dis à une personne, reste tranquille, reste en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, là, vous ne les verrez plus jamais. Le sorcier que tu vois aujourd'hui, là, tu ne vas plus jamais le voir. Ton ennemi qui te fatigue aujourd'hui, tu ne vas plus entendre parler de lui. Le marabout qui est déchaîné contre toi, tu ne vas plus entendre parler de lui. Le problème qui lutte et qui ne veut pas te laisser tomber là, ce problème-là, tu ne vas plus entendre parler de ça. Malabrekasokarashi. Les enfants d'Israël étaient en train de trembler. Moïse dit, restez tranquille, regardez seulement ceux qui viennent là. Ces sorciers-là, ces marabouts-là, ces féticheurs-là, ces jaloux-là, ces mystiques-là, ceux qui se promènent pour vous faire du mal, ceux qui envoient vos noms chez les marabouts, ceux qui envoient vos noms chez les féticheurs, ceux qui souhaitent votre mort, ceux qui souhaitent votre chute, ceux qui veulent que votre vie s'arrête en chemin, ceux qui sont en train de déclarer des accidents, des morts brutales contre votre vie-là, vous ne les verrez plus. Leur bouche se fermera à jamais. Est-ce que quelqu'un peut écrire les ennemis qui se manifestent aujourd'hui ne seront plus là demain? Maïsad Brit, Balo Pratso, Riyamatatu Kamasabo, Male Pro Kassara Kabo, Iriyamata Kabaso. Je suis en train de prophétiser la mort de tes ennemis. Je suis en train de prophétiser la mort de tes ennemis. Tu es fatigué. Ce n'est pas toi seul qui vas collectionner les jaloux du monde. Ce n'est pas toi seul qui vas collectionner tous les méchants du monde. Ce n'est pas toi seul qui vas collectionner les méchantes personnes. Je dis, les jaloux que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Les sorciers que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus.
Les marabouts que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Dieu s'en occupe. Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce que vous voyez venir contre vous là, vous ne les verrez plus jamais. Celui qui attend et te dit tu es maudit là, tu ne le verras plus jamais. Celui qui dit que tu vas mourir misérable là, tu ne le verras plus jamais. Je ne m'amuse pas, je suis sérieux. Verset 14. L'Éternel combattra. Ce n'est plus toi qui combats mon frère. Ce n'est plus toi qui combats ma soeur. J'ai dit, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu es arrivé à un moment où tu n'as même plus besoin. Est-ce que moi je parle encore? Regardez-moi, est-ce que je parle? Tu n'as plus besoin de transpirer. Tu n'as plus besoin de te fatiguer. Parce que l'Éternel lui-même combattra pour toi. L'Éternel lui-même est en train de combattre pour toi. Dieu lui-même, le Tout-Puissant lui-même, s'est levé et il est en train de combattre pour toi. Pourquoi tu vas te fatiguer? Massequebré. C'est quand tu ne crois pas que Dieu combat pour toi que tu te fatigues. La Bible déclare que Israël était devant la mer Rouge. Les ennemis d'Israël venaient. La mer les bloquait le chemin. Israël était entre la mer et ses ennemis. Ils ne peuvent plus retourner en Égypte. Ils ne peuvent pas traverser la mer. Les ennemis d'Israël, tous ceux qui les voyaient à côté de la mer disaient c'est fini pour eux. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est fini pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est fini pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de croire que tu ne peux jamais te relever. Il y a quelqu'un qui est en train de croire que tu vas mourir célibataire. Il y a quelqu'un qui croit que tu vas mourir pauvre. Il y a quelqu'un qui croit que tu vas mourir d'une mort prématurée. Il y a quelqu'un qui croit. Il y a quelqu'un qui croit tellement cela. Il croit que c'est fini pour toi. Parce qu'il t'a vu devant une épreuve. Il est en train de te regarder et dire, oh, c'est fini pour elle. Cette maladie va la tuer. C'est fini pour elle. Elle n'aura plus jamais de mari. C'est fini pour lui. Il n'aura plus jamais de travail. Il y a quelqu'un qui croit que sa bouche peut te tuer. Il y a quelqu'un qui croit que ses pensées peuvent t'achever parce que la personne t'a vu devant la mer Rouge, parce que la personne t'a vu devant une épreuve, parce que la personne t'a vu devant une difficulté. Mais Dieu aime tromper, blaguer tes ennemis. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Dieu que tu sais, que tu adores, a la possibilité de changer les situations. Il a la possibilité de changer les situations. La terre lui obéit, la mer lui obéit, la lune, les étoiles, l'univers lui obéit. Alors les ennemis d'Israël étaient déchaînés. Ceux qui assistaient à ça étaient contents. C'est fini pour eux, ils vont mourir. C'est fini pour eux, ils vont mourir. C'est fini pour eux, ils vont mourir. Malabre kasoula brasse. J'annonce à une personne. S'ils ont tué ton père par la sorcellerie, s'ils ont tué ta mère par la sorcellerie, s'ils ont fait des choses aujourd'hui par ce message, tu es la dernière personne que nous ne pourrons pas atteindre. Toi seul, tu briseras leurs œuvres qu'ils ont faites depuis longtemps. Si tu es devant une preuve et qu'il y a des gens qui guettent, qui sont en train de dire, oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, c'est là, elle ne peut plus s'élever. Je suis venu t'annoncer que c'est fini. C'est fini pour eux, pas pour toi. Le Seigneur dit à Moïse, le bâton qui est dans ta main, c'est un pouvoir. Utilise ce bâton et frappe-moi cette eau.
Frappe-moi cette épreuve. Frappe-moi cette difficulté. Frappe-moi cette épreuve. Frappe-moi cette épreuve, Moïse. Prends le bâton. Or, le bâton est la représentation de la parole de Dieu. Le bâton de Moïse est la représentation de l'autorité divine. Frère, tu as quelque chose. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu n'as pas un bâton dans la main, mais tu as un pouvoir entre les mains. Tu as un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Ce pouvoir est le nom de Jésus. Lorsque Moïse a frappé la mer a respecté l'autorité de Moïse et la mer s'est divisée. Le peuple d'Israël, si nombreux, a pris son temps pour traverser la mer. Mais les ennemis d'Israël croyaient que parce que Israël a traversé la mer, ils pouvaient aussi suivre Israël sur ce chemin. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi que tes ennemis ne pourront jamais emprunter. Tu m'as pas dit amen, tu m'as pas dit amen, tu m'as pas dit amen, tu m'as pas dit amen. Je dis amen fort. Il y a un chemin d'élévation que Dieu a tracé pour toi, qu'aucun marabout ne peut emprunter. Il y a un chemin d'élévation que Dieu a tracé pour toi. Aucun féticheur mystique, diabolique, satanique, sorcier ne peut emprunter. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Aucun jaloux de ta vie ne peut emprunter. Il y a un chemin d'élévation que Dieu a tracé pour toi. Seul toi seul peux emprunter ce chemin. Parce que c'est ton chemin d'élévation. C'est ton chemin de prospérité. C'est ton chemin de gloire. Personne, aucun ennemi ne peut l'emprunter pour toi. S'il essaie, il meurt. S'il essaie, il meurt. S'il essaie, il meurt. Marabroshabams. Inema sobobrosha. Mayuson maripri. Kano maos siribaos shebaos. Ekabaos shebaos lekamais. Aos serebe turihat. La kamaya la kushika. Isa maosi. Sabashi. C'est ainsi que le Seigneur parle à une personne. Mon enfant. Je suis l'Éternel. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu tes épreuves. J'ai vu tes pleurs. Je t'ai entendu me supplier. Je ne t'ai pas muet. Je ne t'ai pas absent. J'ai combattu pour toi sans que tu le saches. Et je combats encore pour toi. Ils ont voulu que tu chutes. J'ai empêché ta chute. Ils ont voulu que tu meures. J'ai empêché ta mort. Toutes les stratégies et les plans contre toi ont échoué. Parce que j'ai combattu pour toi. Tu t'es dit plusieurs fois, où est l'Éternel? Éternel, où es-tu? Parce que tu t'attends à des choses. Tu t'attends à l'élévation, à la gloire. Et tu as cru que je t'avais abandonné alors que j'étais en train de mener des combats pour toi. Ne comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas? Que pendant que tu croyais que je t'ai absent, j'étais en train de lutter et combattre pour toi. Je combattais pour toi afin que tu puisses bénéficier
de tes grâces. Mais pendant que je combattais pour toi, tu croyais que je t'avais abandonné. Tu croyais que je t'avais délaissé. Tu croyais que je t'avais oublié. Pourtant, je préservais ta vie. Pourtant, je luttais pour ton âme et ta vie. Sais-tu combien de fois ils ont voulu t'ôter la vie? Sais-tu combien de fois ils ont voulu t'ôter la vie? Moi, l'Éternel, j'ai déployé des anges pour toi. J'ai lutté pour toi, avec toi, sans que tu le saches. Mais tu avais cru que je t'avais abandonné. Tu avais cru que je t'avais délaissé. J'ai entendu tes prières quand tu me demandais l'élévation, quand tu me suppliais pour la prospérité, quand tu me suppliais pour ton mariage, pour ton voyage, pour tes enfants. J'entendais tes prières. Mais penses-tu que tu pouvais profiter de ces choses alors que l'ennemi te frappait? Penses-tu que tu pouvais profiter de ces choses alors que l'ennemi te frappait? Je te protégeais. Ainsi parle l'Éternel. Il fallait que je combatte. Il fallait que je nettoie autour de toi. Il fallait que je frappe tes ennemis. Il fallait que je te repositionne dans un endroit meilleur afin que tu puisses profiter. Comment peux-tu profiter de la gloire, de la richesse et de la bénédiction que je te donne pendant la guerre ou pendant un combat? Ainsi te parle l'Éternel. Le temps est arrivé. Le temps où j'ai englouti tes ennemis. J'ai creusé des fosses et je les ai engloutis. Ils pensent qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà enterrés. Ils pensent qu'ils sont forts, mais j'ai déjà retiré leurs armes. Ils pensent qu'ils peuvent encore t'atteindre. Pourtant, ils sont tous déjà engloutis. Le temps de ton élévation, le temps de ton repositionnement est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel, sèche tes larmes. Bien-aimé, la mer dans laquelle ils ont voulu que Israël meure est la mer qui les a envoyés dans la gloire. Et cette même mer a englouti les ennemis d'Israël. Tu n'es pas n'importe qui. Ce soir, je prophétise le retour à l'envoyeur. Ce soir, je prophétise le retour à l'envoyeur. Je vais spécialement prier pour toutes les personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi et qui sont malades. Je vais prier pour tous ceux qui ont eu une maladie par envoûtement, par attaque. Au nom de Jésus, je condamne toute maladie mystique. Au nom de Jésus, je combats tout envoûtement dans ta vie. Il y a des gens qui s'approchent de toi, c'est pour voler ta gloire. Il y a des gens qui s'approchent de toi parce qu'ils sont jaloux de toi. Il y a des gens qui s'approchent de toi parce qu'ils t'envient. Et quand ils n'arrivent pas à prendre quelque chose de toi, ils cherchent à te tuer. Que Dieu les frappe au nom de Jésus. Que tous ceux qui prennent ton nom dans une incantation, dans une cérémonie, soient foudroyés au nom de Jésus. Que tous ceux qui
qu'ils font une simple incantation, même s'ils ont allumé une seule bougie et qu'ils ont dit ton nom, que le feu de cette bougie les brûle, les consume, les frappe, que la mort soit dans leur maison. Que tous ceux qui veulent ta mort, ta chute, ceux qui veulent te voir pleurer, que ce soit eux qui pleurent aujourd'hui, de la même manière que la main de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge, alors qu'il croyait qu'il pouvait tuer Israël de cette même manière. Que tes ennemis soient engloutis par le plan que eux-mêmes ont préparé. Que tes ennemis soient engloutis par leur propre ruse. Au nom de Jésus, cette mer ne te tuera pas. Ce problème ne va pas te tuer. Ce combat ne va pas te tuer. Ce sont tes ennemis qui vont mourir dedans. Oh, que c'est fini pour elle. C'est fini pour lui. Elle est trop vieille. Celle-là ne va plus jamais se marier. Il est trop vieux. Oh, la maladie qu'il a eue, il ne va plus jamais se lever. Oh, lui, là, avant, il avait l'argent, maintenant, là. Oh, celle-là. Toutes leurs paroles sont nulles, sans effet. Leurs pensées sont nulles, sans effet. Leurs actions sont nulles, sans effet. Ce soir, je m'élève. Je vais dans les loges et je suis fâché. Je vais dans les loges Maïkari, franc-maçonnerie. Je vais dans les loges mystiques, partout où on a posé ton nom. Si tu étais programmé pour un sacrifice, j'annule cela au nom de Jésus. Je vais chez tous les mystiques, les sorciers, pour la vie de tous ceux qui m'entendent. Si tu avais été programmé quelque part, si ton mari avait été programmé, si tes enfants avaient été programmés, si tes finances avaient été attaquées, ta vie avait été attaquée, je brise cela au nom de Jésus. Je vais prier pour les femmes. Il y a des femmes qui ont épousé un homme. Ils sont avec quelqu'un, mais cet homme n'est pas normal. C'est un mystique, c'est un diabolique. Il vole la chance de la femme. Il vole le bonheur de la femme pour s'enrichir. J'arrête cela au nom de Jésus. 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 Quand il va te toucher, que ce soit le feu qui le brûle, s'il continue à prendre ton nom pour faire quoi que ce soit, que Dieu le foudroie. Yeah. Si tu as un enfant et que tu as un membre de ta famille, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton oncle, qui prend ton bonheur, ta chance pour faire quoi que ce soit pour réussir, si tu as un diabolique, un mystique, un satanique dans ta famille qui veut prendre ton nom, ton étoile, ta vie pour réussir, que Dieu le frappe, qu'il meure et qu'on l'enterre. Toutes les jeunes filles, toutes les femmes, on a bloqué votre mariage, on a bloqué votre enfantement. Je proclame, je prophétise maintenant que votre ventre soit ouvert au nom de Jésus, que l'enfantement se place maintenant dans votre ventre, que l'enfantement se place maintenant dans votre ventre. Je prie que la fécondité soit en vous maintenant. Même si c'est ta maman qui l'avait fait, je remplace cela. Si c'est ta grand-mère, je remplace cela au nom de Jésus. Il y a des personnes qu'on a maudites. Il y a des personnes qu'on a sacrifiées. Mais celui qui a fait ça est déjà mort. Il est déjà dans le tombeau. Je vais dans le tombeau, je le réveille maintenant. Et je lui dis de venir réparer ce qu'il a fait. Au nom de Jésus, je te détache de là où on t'a attaché. Mal après que soit. Ne t'inquiète pas, Jésus est vivant, ne t'inquiète pas, oh, ne t'inquiète pas, Jésus est vivant, ne t'inquiète pas, je vois la main tendue de Dieu. Si tu sors avec quelqu'un et que c'est un mystique,
et qui fait des incantations pour prendre ton bonheur, pour prendre ta chance, pour prendre ta réussite, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un te donne de l'argent pour voler ton bonheur, pour voler ta grâce, et que chaque fois qu'il te donne de l'argent, c'est comme s'il entend acheter quelque chose dans ta vie, que cela s'arrête au nom de Jésus. Qu'il soit foudroyé. Je prie que tous ceux qui sont en train de croire que c'est fini pour toi, qui proclament ta mort, que ces personnes-là soient dans la honte parce que Dieu te donne la vie. Que la terre soit en accord avec toi. Que le ciel soit en accord avec toi. Que les bénédictions t'environnent. Que les grâces t'environnent. Là où c'est fermé, que le Seigneur ouvre maintenant. Que là où c'est fermé, le Seigneur ouvre maintenant. Que les portes de la grâce s'ouvrent. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Que les portes de l'élévation s'ouvrent. Que les portes de la prospérité s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Ils ont cru que Israël allait mourir dans la mer. Mais la mer a élevé Israël. Ce sont les ennemis d'Israël qui sont morts dans la mer. Que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Moïse a dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Silence. L'Éternel combattra pour vous. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Si quelqu'un a dit de sa bouche que de son vivant, tu ne réussiras pas, il va mourir. Si quelqu'un a dit de sa bouche, tu es en exil, quelqu'un a dit de sa bouche que de son vivant, tu ne peux pas rentrer dans son pays, il meurt. Si quelqu'un a dit de sa bouche que de son vivant, tu ne pourras jamais prospérer, il meurt. Je dis, si quelqu'un pense que la mer qui est devant toi va te tuer, c'est lui qui va mourir dans cette mer. Aucune preuve ne va te tuer. Toutes les épreuves qui sont devant toi vont te lever. Dis-moi amen. Oh Seigneur, le temps arrive. Le temps arrive. Le temps est proche. Où les nations sauront que Dieu est Dieu. Le temps est déjà arrivé. Où les gens sauront que Dieu est Dieu. Le temps est déjà arrivé. Le temps de tes pleurs soit arrêté. C'est fini. Le peuple d'Israël a pleuré devant la mer rouge. Oh Moïse, on va mourir. Moïse, on va mourir. Moïse dit calmez-vous. Les ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Je suis venu t'annoncer que la position qu'ils t'ont donnée là, tu vas traverser ça dans la gloire. Mais eux ne pourront pas traverser, ils vont mourir. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un peut dire, mais comment pasteur tu peux dire la mort de tes ennemis? Je tue tes ennemis. Je n'ai pas le temps de demander la conversion de tes ennemis. Je n'ai pas le temps de demander la délivrance de tes ennemis. Si Dieu veut qu'il les délivre, si Dieu veut qu'il ne les délivre pas, c'est toi qui m'intéresse, c'est ton élévation qui m'intéresse, c'est ta prospérité qui m'intéresse, c'est ton miracle qui m'intéresse, c'est comment tu vas vivre en paix qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour m'occuper de la vie de tes ennemis. Si Dieu a appelé des gens pour prier pour les ennemis des autres, ce n'est pas moi.
Si quelqu'un déclare, veut, souhaite ta mort, il meurt. Si quelqu'un souhaite ta chute, il chute. Tout ce que la personne désire, pense contre toi, retourne contre la personne. Levez votre main vers moi. On va prier. Tendez votre main vers moi. Jéhovah. Tendez votre main vers moi. Jéhovah. Tendez votre main vers moi. Jéhovah. Je sens l'onction de la prospérité. Ta paume est en train de te chatouiller. Ta paume est en train de chauffer. L'onction est en train d'agir sur toi. Jéhovah. Hey. Izekarabro Kasamaya. Masebro. Masebro. Esabatro. Masebro. Esabobo Shikabaya Bakasa Kamaya. Il n'a pas dit que c'était fini. Il n'a pas dit que c'était la fin. Oh, Messakaya, c'est le commencement de ton élévation. C'est le commencement de ta prospérité. C'est le commencement de ta grâce. Ils t'ont vu devant la mer, ils ont cru que c'était fini. Ils t'ont vu devant le mur de Jéricho, ils ont cru que c'était fini. Ils t'ont vu devant le Jourdain, ils ont cru que c'était fini. Oh, c'était l'épreuve qui allait t'élever. Pendant que tu marchais dans le désert, ils ont cru que c'était fini. Oh, tu marchais pour aller à la terre promise. Alléluia. Seigneur, voici tes enfants. Tu m'as dit, va leur annoncer que cette mer ne les tuera pas, mais elle avalera leurs ennemis. Cette épreuve ne les tuera pas, mais elle avalera leurs ennemis. Cette preuve ne les tuera pas, mais elle avalera leurs ennemis. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous ne pouvez pas comprendre quelle délivrance vous venez de recevoir. Vous ne pouvez pas comprendre que le monde a été créé par la parole. Quand la parole de feu sort de la bouche d'un ou un de Dieu, c'est une délivrance, c'est un miracle. C'est plus que toutes les prophéties du monde entier. Si j'étais toi, j'allais réécouter ce message, le réécouter encore, prier encore et le réécouter. La parole a créé le monde. Et quand la parole de feu sort dans la bouche d'une personne ouinte, c'est la délivrance, c'est le miracle. N'attends pas qu'on vienne t'imposer la main. La parole, même à distance, te libère. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dis Alléluia, je suis exaucé. Dis Alléluia, je suis exaucé. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, je ne sais pas où tu pries, mais cette parole qui est sortie de ma bouche aujourd'hui te libère. Réécoute encore ce direct. Prie avec, pendant que je parle, tu pries. Dis à Dieu, c'est mon heure, c'est ma délivrance, c'est ma victoire. Partage ce direct à tous tes frères et soeurs, tes amis, pour que Dieu agisse pour eux. Dis-leur de prier avec ce direct. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un charlatan, il n'y a pas un mystique qui peut s'opposer à ta grâce, ta bénédiction venant de ces paroles que j'ai prononcées. Celui qui essaye meurt. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
Je vais vous laisser sous la bénédiction du Seigneur. Contactez mon secrétariat si vous voulez qu'on parle, qu'on prie ensemble. Plus 33 6 24 08 89. Plus 33 ou 00 33 6 24 08 58 89. 58 89. 00 33 6 24 08 56 89. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que ses grâces et ses bénédictions soient scellées dans le nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne nuit. Shalom.